Consommer des produits qui ont poussé près de chez soi, c'est savoir ce que l'on mange et favoriser l'économie locale. Et ça tombe bien, car la région du Havre offre justement une grande diversité de produits alimentaires. Le Havre Seine Métropole s'est engagé dans l'animation d'un projet alimentaire de territoire. L'idée, mettre en réseau les acteurs clés de la chaîne alimentaire locale, producteurs locaux, professionnels de la transformation, de la logistique, de la distribution et les consommateurs. Et ainsi, permettre à tous une alimentation saine, de qualité et locale. Aujourd'hui, on vous accueille à l'ESAT Porte Océane. Donc, c'est un établissement d'aide par le travail. Nous accueillons à peu près 140 personnes qui présentent un handicap mental. Une légumerie, c'est un lieu de transformation de légumes. On essaye au maximum de trouver des producteurs locaux. Nos producteurs font eux-mêmes la livraison et arrivent chez nous. La livraison est vérifiée par l'équipe. Ensuite, les produits sont entrés dans la légumerie, sont épluchés, nettoyés, ils sont découpés et emballés. Et après, nous les livrons chez les clients. Nos clients aujourd'hui sont essentiellement la restauration collective et quelques communes de la région havraise. L'objectif principal, c'est l'insertion professionnelle. Donc le maraîchage bio est une fonction essentielle de l'association parce que c'est ce qui nous permet de vivre et du coup est ce qui offre un support de travail aux salariés. Le public cible, c'est les bénéficiaires du RSA. On a vraiment une mixité très large. Ils ont un contrat qui n'est pas de 35 heures mais de 26 heures pour leur permettre de continuer à assurer des démarches administratives à côté. Ils sont à la fois salariés, en même temps il y a une éducatrice sur place, une accompagnatrice socio-pro qui va les accompagner au quotidien dans leurs démarches de recherche de formation, de recherche d'emploi pour permettre que la personne elle se reconstruise, elle se rétablisse et qu'elle puisse trouver un job dans les meilleurs délais. D'un côté, on fait un gros boulot auprès des entreprises pour leur convaincre que nos salariés sont des gens courageux, sont des gens qui ont envie de bosser, sont des gens qui ont envie de s'en sortir. Et en même temps, ce qui est hyper valorisant, c'est qu'on produit quelque chose de très qualitatif. On est sur du légume bio, frais, et qui est vendu au travers des paniers, au travers des marchés. La philosophie, c'est celle-ci. C'est que je veux dire, on investit pour accompagner des gens et que derrière, on fait économiser des sous à tout le monde.